Et salut les pupilles, c'est Redstone Pupi. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la suite de l'afficheur 7 segments. Dans le dernier épisode, je vous avais dit que c'était... Enfin, qu'on avait fait le pattern et qu'il fallait le reproduire. Donc là, vous devez le reproduire 9 autres fois pour l'avoir en tout 10 fois. Là, c'est exactement le même pattern et on va le programmer ensemble. Donc déjà, on active le premier levier, c'est le 0. Donc le 0, on enlève. Là, on a un 8, il faut enlever la barre du milieu. Donc pour ça, là, vous entrez dans le système. Vous voyez ici, il y a une barre horizontale. Ici, c'est là où il y a les torches. Enfin, c'est au milieu, les répéteurs et tout, regardez. Et là, il faut simplement enlever cette poudre de redstone. Donc, normalement, on a un 0. Oui, on a un 0, c'est bien. Donc, après, on fait le 1. Donc, il faut enlever tous les segments, sauf ces deux-là. Donc, on enlève le segment du bas. Donc, à chaque fois, c'est ce qui est allumé qu'il faut enlever. Là, donc, cette torche de redstone. Donc, après, il y a ce segment-là à enlever. Pour lui, il faut enlever le bloc où c'est allumé. Là, c'est le deuxième, puisqu'on fait le 1. Enlever la torche de redstone et remettre le bloc. Donc après, là, on enlève la partie du milieu. Donc pour la partie du milieu, on l'a déjà fait. Il suffit d'enlever la poudre de redstone. Là, voilà. Donc après, on enlève ici aussi la torche de redstone. Non, pas là. Faut l'enlever sur ce segment-là. Donc pour ça, il suffit simplement d'enlever cette torche de redstone-là. Donc, après, il manque le haut. Pour enlever le haut, il suffit d'enlever la torche de redstone allumée tout en haut là, à cet endroit. Et on a 1-1. Donc, après le 1, on fait le 2. Pour le 2, il faut enlever ce segment-là avec ce segment-là. Donc, on commence par celui-là. Pour celui-là, c'est un petit peu compliqué parce qu'en gros, il faut enlever la poudre de redstone qui est là, casser le bloc, enlever la torche de redstone, remettre le bloc et remettre la poudre de redstone. Maintenant, pour ce segment là-haut, on l'a déjà fait, il suffit d'enlever la torche de redstone allumée. On a un 2, c'est bon. Donc, après, on fait le 3. Pour le 3, il faut enlever les deux segments de ce côté. De ce côté, le segment, c'est celui-là.
Là, regardez, cette torche de redstone est éteinte, donc il faut prendre ce côté-là. Enfin, il faut prendre ici, enlever le bloc, casser la torche de redstone et remettre le bloc. Après, ici, toujours pareil, on casse la torche de redstone. Le toit est fini. Diamond Fox, évite de t'entraîner aux élytres ici. Donc, après, là, on fait le 4. Pour le 4, il faut enlever ce segment-là en haut et ces deux segments en bas. Donc, on commence par celui tout en bas. Après, on fait celui-là. Vous devriez bien connaître. Torche de redstone éteinte, on casse le bloc. On casse l'autre torche de redstone, on remet le bloc. Et le segment du haut. On casse aussi la torche de redstone. Donc là, nous avons notre 4. Note 5. Le 5, c'est l'inverse du 2. Il faut enlever ce segment-là et ce segment-là. Donc, ici, on prend l'endroit où la torche de redstone est éteinte. On casse le bloc, on casse la torche de redstone. Et pour ce segment-là en bas, celui-là, il faut faire pareil. Ouvrir là où la torche de redstone est éteinte. Casser la torche de redstone et remettre le bloc. Ce qui nous donne le 5. Donc là, on fait le 6. Pour le 6, il suffit simplement d'enlever ce segment-là. On passe en dessous. On casse la torche de redstone allumée. On a notre 6. Après, le 7. Pour le 7, on a besoin d'enlever enfin, ces deux segments-là et ces deux segments-là. Après ce segment-là, toujours la même chose, casser là où la torche de redstone est éteinte. Et éteinte et casser la torche de redstone allumée. Le segment du milieu maintenant. Donc, toujours pareil, casser la torche de redstone là où c'est la poudre de redstone là où c'est éteint. Après, s'il y en a qui veulent garder cette barre, ils peuvent, mais moi je préfère l'enlever. Donc pour l'enlever, on passe en dessous du système et on casse la torche de redstone. Après, on fait le 8. Donc c'est déjà fait puisque le 8, c'est tous les segments comme vous le voyez. Et donc enfin, on fait le 9. Donc pour le 9, il suffit d'enlever à l'inverse du 6, seulement ce segment-là. Donc on prend le dernier, on casse la torche de redstone et on remet le bloc.
ce qui nous donne le 9. Donc, dans la dernière vidéo, je vous avais promis que ceux qui étaient le plus aimés dans tous les choix entre j'avais dit le compteur de points, le chronomètre et l'alarme sera faite, mais malheureusement je n'ai pas reçu assez de commentaires, donc et aussi je n'ai pas assez de temps, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui, désolé. Bon, bien sûr, comme c'est la fin de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, d'envoyer des commentaires pour la suite, et bien sûr de vous abonner pour ne pas rater la suite. Surtout que dans les prochains épisodes, il y aura plein de systèmes Redstone vraiment très cool. Là, justement, il y a Bedrock 4 qui est en train d'y travailler dessus. Et il y en a déjà certains qui sont prêts, carrément. Donc abonnez-vous. Et aussi, mettez des likes, ça me fait très plaisir, ça m'encourage à continuer les vidéos. Et les vidéos sortent, plusieurs vidéos vont sortir en peu de temps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Salut les pupilles! Oh.